Le mur jouxtant la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est affaissé sous la pression de l'eau des pluies. Le siège de cette institution est contigu à un terrain remblayé sur lequel il n'y a aucune construction. Ce terrain appartient à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette situation a occasionné une coulée de boue au sein de la commission. L'abri du personnel de sécurité a pris un coup sous le poids du mur qui a cédé. C'est suite aux travaux de remblaiement du terrain qui jouxte notre clôture, terrain appartenant à l'université d'Abidjan, que ce mur a cédé. Donc j'ai pris la tâche avec le chef de projet sur le chantier qui effectivement a reconnu que c'est faute d'avoir fait faire un mur de soutènement que ce mur a cédé. Donc il y a une urgence à ce que cette clôture soit refaite rapidement. La Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est une institution qui a pour mission principale de mener des enquêtes sur les allégations de violation des droits de l'homme et de faire des propositions au gouvernement.